Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo routine du soir. C'est vrai que les routines, j'en fais pas très souvent pour la simple et bonne raison en fait que j'ai pas envie de faire semblant. Mais là, je me suis dit que ça faisait longtemps et que je pouvais vous montrer un petit peu ce que je fais à peu près tous les soirs. Hein. Trêve de blabla et... En général, en début de soirée comme ça, quand je rentre, je commence en gros par faire genre... des mails, des factures, ce genre de trucs pour YouTube, en fait, tout ce qui est derrière, genre... J'essaye de faire tout ça un petit peu tous les jours. Coucou. Coucou, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Tam, il fait jour Oh, je encore à t'écoute. Rennes. Ouais, mais il fait très gris, très moche. Bon, ça y est, j'ai raccroché avec ma maman. Plus précisément, elle m'a raccroché au nez. J'ai pas compris. Bon, aujourd'hui, c'est jour de shampoing, comme cela peut se voir. On pourrait faire des frites là-dedans. Donc, qui dit jour de shampoing dit je vais mettre un petit peu d'huile le temps que j'aille faire mes 2-3 trucs après. Donc, je vais mettre d'abord de l'huile d'avocat. Et qu'est-ce que j'ai que je peux mettre d'autre? L'huile de carotte? Ouais. Je vais mettre de l'huile de carotte avec. Puis, je vais laisser poser, je pense, 1 heure le temps que j'aille faire ma vie après à côté. Mais sérieusement, je me respecte plus de me montrer comme ça. Allez, c'est parti pour le meilleur instant de la soirée. Plaisir et pas parce que j'ai pas réussi à trouver des gens autour de moi qui ont des histoires d'horreur à raconter. Ma mère s'en veut. Ah, et plus de batterie. Je suis allée faire ma vaisselle, bah de... Ah, moi aussi. Bon, ça va être l'heure d'aller à la douche, donc je vais me démaquiller. En ce moment, ce que j'adore utiliser pour me démaquiller, c'est une eau micellaire de la marque Sobio Éthique. Donc c'est une marque qu'on trouve en supermarché, je la trouve vraiment bien, donc c'est celle au lait d'anès. Je la trouve vraiment géniale, moi qui ai la peau sensible, bah, elle m'agresse pas du tout la peau, elle démaquille super super bien. Et puis elle sent super bon en plus, oh, j'adore. J'en ai mis dans les yeux, ça pique. Au niveau des soins, je vais d'abord mettre un coup de démêlant. Je vais mettre un coup de Unique One. Voilà, parce que je l'ai pas fini, donc du coup bah, je continue à l'utiliser pour l'instant. Pour le visage, je vais d'abord mettre de l'eau thermale, puisque l'eau elle est hyper calcaire, je trouve. Donc du coup, à chaque fois ça me tiraille de fou, donc j'aime bien utiliser de l'eau thermale. Je vais, comme vous le savez, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vais mélanger en fait de l'huile de jojoba, donc c'est de la marque Avril, donc elle est bio, avec de l'huile essentielle de lavande vraie, bio pareil, de la même marque. Je fais le combo des deux et je laisse ça poser bah, toute la nuit quoi. Oh, j'ai une poussée d'acné. Les dernières choses et ensuite je vais enfin les manger, j'ai faim. Ça j'avoue, j'ai la flemme en général, mais je vais hydrater un peu genre mes jambes et mes tatouages. Le baume huile corps fondant au miel de chez Nuxe, donc de la gamme Rêve de Miel. Il est vraiment super agréable et il en faut très très peu parce qu'il nourrit à fond. Ce que je fais aussi souvent, c'est que je le fais tout simplement en mettant de l'huile. Dis Siri, mets un minuteur de 10 minutes. Voilà, 10 minutes, top chrono. Top chrono. Donc là, en attendant que mon four préchauffe et après que ça cuise et tout le bazar, j'ai un travail d'études de recherche, donc un TER à faire là, ce semestre. En fait, j'essaye de m'y mettre un petit peu tous les soirs, donc là on est dans la phase recherche, donc
Faut lire des bouquins. C'est parti. J'ai la flemme. Il n'est pas genre trop belle ma baraque. J'ai réussi à m'interdire de jouer plus de 2 heures aux Sims. Il n'y a pas de petite victoire les gars. Alors un truc que je fais tout le temps avant d'aller me coucher, c'est de ranger mon appart. Ouais, je me mets à chaque fois une déterre même si j'ai la flemme. Parce que déjà de base, je suis pas du matin. Mais alors si en plus je me lève et que c'est le bordel chez moi, je vous jure ça me met d'une humeur, c'est pas possible. Je vous entends me juger là. Me jugez pas s'il vous plaît. Pareil qui fait partie intégrante maintenant de ma routine avant d'aller dormir, je calme beaucoup. Je vais dans mon agenda et je commence par colorier mon tracker mood. J'ai la flemme de faire un bullet journal, donc celui-ci il est vraiment génial, c'est ceux de la marque My Agenda. My365, c'est des agendas faits à Rennes et tout, bref. Je vais organiser aussi ma journée de demain, ça je le fais tout le temps, comme ça je vais savoir demain ce que je fais. En fait, il y a des motifs et tous les soirs, je colorie les motifs pour... En gros, ça me fait colorage anti-stress et j'aime trop et maintenant, je peux pas ne pas faire ça en fait. Le meilleur baume à lèvres de tous les temps en vrai celui-là. C'est le baume Rêve de Miel de chez Nuxe. J'ai vraiment jamais réussi à trouver un baume qui nourrit mieux que ça. Ah, ma bouillotte est chaude. Bon les gars, c'est le moment de vous dire bonne nuit, en tout cas pour moi. Il est assez tôt, j'essaye de reprendre un rythme en ce moment parce que... Ouh, là je vais me caler avec ma bouillotte et je vais regarder plein de vidéos YouTube je pense. Donc, j'espère que cette petite routine vous aura plu, c'était à la cool et surtout ma vraie routine quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao.